les soigner, les dorloter, les raccommoder. Les raccommoder, surtout. Ainsi, voilà un pantalon que Monsieur Gaudichard, mon époux, ne voulait plus mettre sous prétexte que le fond était usé. Eh bien, je viens d'en mettre un autre de fond. Et insolide. Je ne vous dis que ça. Aussi, mon homme sera content de moi. Je voudrais bien pouvoir en dire autant de lui, le gredin. Oui, mesdames, je le répète, un gredin. Croiriez-vous qu'il est parti depuis 4 heures pour aller m'acheter 3 sous de légumes chez la fruitière? On n'a pas idée de ça. Ce matin, après avoir déjeuné, je lui dis « Arthur !» Il s'appelle Arthur pour mon malheur. « Arthur !» lui dis-je, « comme tu ne travailles pas aujourd'hui, tu vas aller me faire des commissions chez la fruitière et reviens tout de suite !»« Sois tranquille, Octavie !» me dit-il, « je ne fais qu'aller et venir !» Et voilà 4 heures de cela. Oh, les hommes! Les hommes! À se laisser prendre au piège. On monte l'escalier, c'est lui, sans doute. À nous deux, mon bel Arthur, nous allons rire. Voilà. Ouf, ai-je couru. J'éprouve le besoin de m'asseoir. Les jambes me rentrent. Ce pauvre chéri. Voyez donc comme il a chaud.
Il est gentil, mon petit homme. Il a bien fait les commissions à sa petite femme. Oui, ta vie, elle prend bien la chose. Où sont les légumes? Les légumes? Oui, les légumes, pour le pot-au-feu. Ah, c'est juste, j'allais oublier. Voilà les légumes demandés. Comment? Rien qu'une carotte? Et les navets? De quoi? Des navets. Ah, Octavie, je ne te dis pas de sottises, moi. Mais ni moi non plus, je te parle des navets, des poireaux, pour mettre dans la soupe. Ah oui, les navets, les poireaux. Voilà, la fruitière m'a dit qu'elle n'en avait plus. Et alors j'ai pensé que la carotte pourrait au besoin... Assez tard comme ça. On ne se charge pas des commissions quand on ne veut pas les faire. Ce n'est pas chez la fruitière que tu es allé, mais chez le marchand de vin. Ivrogne, pillé de cabaret. Octavie, c'est pas bien ce que tu dis là. Parce que si je suis allé chez le marchand de vin, tu sauras cette fois que c'est à cause... Cause de ma toux. Ta toux? Quoi, ta toux? Quoi, ta toux? Comprends pas. N'as-tu pas dit ta toux? Ah oui, ma toux. Eh bien. Et voilà la chose. Comme tu sais que je tousse beaucoup la nuit et que cela t'agace au superlatif, je cherchais un remède à mon mal quand Lazare m'a fait rencontrer Bécava, un bon sergent de ville dans mon genre. Ah oui, parlons-en. Tu dis? Rien, continue. Alors, pour l'ors, Bécavin me dit-il... Un nom d'une pipe. À sa perlipopette, mon pauvre Arthur, comme t'es pâle. Est-ce que t'aurais l'intention de dévisser ton billard? Pour sûr que non, que j'y dis. Alors, quoi t'as qui me dit, dit-il. J'y dis, je suis enrhumé, voilà tout. Et quoi que tu prends pour ça, qui me demande? Moi que je réponds, je prends des infusions de mauve et tilleul. Là-dessus, le vlac qui se met à rire comme une baleine. En répétant... Du mauvais tilleul, c'est bon tout au juste pour les demoiselles. Tu vas commencer par suivre mon traitement et je te réponds que tu ne tousseras plus. Combien que t'as d'argent sur toi en ce moment? 3 francs 6 sous, lui réponds-je. C'est bien qui me dit, dit-il. Oh, boite-moi le pas et en avant, marche. Je l'ai suivi. Où ça? Monstre. Chez le marchand de vin du coin, nous qui ne sommes pas des bélitres. Chez le marchand de vin du coin, nous avons bu nos 4 litres. J'en éprouvais besoin, oui le besoin c'est pourquoi je prends à témoin, ce brave marchand de vin du coin, ce brave marchand de vin du coin. Coin, 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 le marchand de vin du coin, marchand de vin du coin, marchand de vin du coin. Si le jus de la treille, crois-moi un petit bec à vin, qui guérira ma vieille, tu verras c'est divin. Dame, je me suis laissé faire, car je le dis carrément. En fait, médicament, c'est le vin que je préfère. Allez, allez avec moi, ma bonne dame. Chez le marchand de vin du coin, 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 nous ne sommes pas les bébitres. Chez le marchand de vin du coin, 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 ils ont vidé 4 litres. Nous avons mis 4 litres. Comme s'ils ont... J'en éprouve besoin, c'est pourquoi je prends à témoin. Brave marchand de vin du coin, brave marchand de vin du coin. Coin, 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 coin. Le marchand de vin du coin, marchand de vin du coin, marchand de vin du coin. Ton Bécava n'a qu'à bien se tenir, car si jamais je le rencontre, un débauché, un libertin, qui finira par te perdre. Me perdre? Allons donc, je connais trop bien Barry pour ça. Taisez-vous, Arthur. Je sais ce que je dis. Vous allez d'abord me donner votre calot. Et j'espère que vous ne sortirez plus aujourd'hui. Ben voilà. C'est que... C'est que quoi? Bécavin m'a fait promettre d'aller le rejoindre chez Boisdru, où ce qu'il doit me donner ma seconde purgation. J'ai ce qu'il te faut. Un remède infaillible. Haute faveste. Voilà ta vie, voilà. Dis donc, est-ce de la tisane? Oui, non. Je
t'en laisse la surprise. C'est égal, ce pauvre Bécavin va la trouver mauvaise. Je te conseille de le plaindre. Je vois bien d'après ta manière de voir que vous ne valez pas plus l'un que l'autre. Madame Gaudichat, vous vous exagérez. Tais-toi. Monstre. Monstre? Non, par exemple. Tout excepté ça. Je m'en rapporte aux dames. C'est la jalousie qui l'a fait parler ainsi. Mais gerbe ! Un monstre, moi, l'Adonis du quartier Popincourt. Ah, les femmes, les femmes ! Vengeance, vengeance, contre cette engeance. Il faut en finir, sachons la punir. Assez de mollesse, assez de faiblesse. Car je veux régner dans la cave au grenier. Ah, rira bien qui rira le dernier. Les hommes sont par trop godiches, loin d'avoir pour nous des égards. Nos épouses, ces bonnes biches, nous traite comme des jobards. Nous faisons tous les sacrifices, nous cédons à leur volonté. En un mot, elles ont tous les vices et nous toutes les qualités. Oui, les femmes ont tous les vices et nous toutes les qualités. Vengeance, vengeance, contre cette vengeance, il faut en finir, sachons la punir. Assez de mollesse, assez de faiblesse, car je veux régner de la cave au grenier. Ah, rira bien qui rira le dernier, qui rira le dernier. Oui, le dernier. Grelotte, qu'il fait soif ici. Tiens, mais j'y songe. J'ai là en réserve une fiche de consolation. C'est le moment ou jamais de lui faire une risette. Profitons de ce que Madame Dugrognon n'est pas là pour nous humecter l'œsophage. Au commandement, apprêtez. Arme, joue. Feu. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un piège, un guet-apens. C'est encore un tour de Madame mon épouse. Oh mon Dieu! C'est elle, sachons dissimuler. Oh là là, je souffre. Pourquoi tous ces cris de chacal? Hélas, je ne peux pas me retenir. Misérable, comme tu es pâle. Ah oui, c'est la douleur que j'éprouve, c'est égal. Tu as tort de m'empêcher d'aller rejoindre Bécava. Je sens qu'une seconde consultation m'aurait fait grand bien. Oh, dévisse-toi, mon homme. Oh. Je sais ce qu'il te faut. Prêt, alors dépêche-toi. J'en ai plein les yeux, je ne sais pas quoi faire. Suis-moi. Mais on va où? Aie confiance. Ben non, justement, non, non, non. Arrête ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Il va bien se passer. Les préparatifs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voyons d'abord le pouls. Mais non, pas la langue. Ah. Le pouls. Le pouls est très agité. C'est grave. Comment? Très grave. Là, ça y est. À nous deux, mon gaillard. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'attaches? Oui. Mais nous allons rire. Mais veux-tu me détacher tout de suite? Non, non, et sans fois non. Sapristi, c'est trop fort. Au diable, l'Hyménée. Affreuse destinée. Qui rêvait du bonheur, du bonheur à gogo. Assez de déveines, brisons notre chaîne. À bas le conjugaux, à bas le conjugaux. Oui, c'est assez de déveines, à bas le conjugaux.
nuit, vous êtes une guesarde. Comment je suis une guesarde? Ah! Toi? Oui, toi. Moi? Ah! Oui, toi. Tiens, ah! J'ai la pompe, voilà pour toi. Voilà pour toi. Pour toi, pour toi. À moi, à moi, à la garde. À moi, à moi, à la garde. Te tairas-tu? Te tairas-tu? Je suis moulu, je suis rompu. Je suis moulu, je suis rompu. Grâce, grâce, sans cela tu paieras la casse. Chacun s'explique à sa façon, souviens-toi bien de la leçon. Par la douceur, on parvient à s'entendre. Autrement, j'ai le bras dispos. Non, non, merci, vraiment, je sors d'en prendre. De cette leçon, j'avoue, j'en ai plein d'eau. Au diable l'hyménée, au diable l'hyménée, affreuse destinée, moi qui rêve du bonheur à gogo, passé de des veines, brisons notre chaîne, à bas le conjugaux, à bas le conjugaux, oui c'est assez de des veines, brisons enfin notre chaîne, brisons enfin notre chaîne. C'est assez pour une première fois. Oui, tu as raison, c'est assez. Détache-moi. Nous allons passer à un autre exercice. Non, merci. Cela rentre dans le traitement. Quel drôle de remède. Ne crains rien. C'est ce qu'il y a de meilleur à prendre. À la bonne heure, mais détache-moi. Tiens, voilà une bouteille de vieux vin. J'ai monté de la cave à ton intention. Vrai? Ouais, c'est gentil ça. Mais détache-moi! Je te laisse, bois tout ce vin. Je t'y autorise. Je descends chez la fruitière et reviens tout de suite. Ah! Si quelqu'un frappe à la porte, ne réponds pas. Je garde la clé. Comment? Tu vas m'enfermer? Oui! Cela rentre dans le traitement. À bientôt, mon gros lapin rose! À bientôt! Eh bien, en voilà du bel ouvrage! Arthur, quel coup dur! Heureusement que j'ai là une bouteille de bon vin. Je vais lui dire deux mots à l'oreille. Mais c'est pas vrai! Sapristi! Il s'appelle Hippopète! Pas moyen de boire avec une soif pareille. Mais c'est une infamie, un affreux traquenard. C'est, en un mot, le supplice de Tantale. Mais j'en femme, va. Tu me le paieras, foi d'Arthur. Comment? Non contente de me rosser à goutte de martinet, il faut encore qu'elle me fasse mourir de soif. Mais j'en femme. Tu me le paieras si je pouvais me détacher. Mais pas mèche. J'appellerai bien à mon aide le père Tapaloeil, le concierge. Mais hélas, la porte est fermée. Je donnerai de bon cœur une mèche de mes cheveux à qui me détacherait. Que faire? Mais que faire? Mais tiens. Faute de mieux, je vais jeter le martinet par la fenêtre. On se venge comme on peut. Sapristi de sa perlotte. Ma déveine est complète. Non mais il faut pourtant que je sorte de là, non, d'un petit bonhomme. Mais au fait, ce sont mes menottes. A-t-on déjà vu un sergent de ville ligoté avec ses propres menottes? Ben non, j'ai la clé. Ah, toutes ces histoires pour rien. Ah, pas si facile.
Ouh. Ah, ça va mieux tout de suite. Ouh, ma femme, allons préparer notre vengeance. Bien joué, Marguerite. À toi, la première partie. Et à moi, la revanche. C'est moi, mon gros loulou. Ta bichette qui vient voir comment tu vas. J'espère que tu es mieux. Comment? Il n'est pas là? Mais où est-il donc? Arthur! Arthur! Et voilà, ma poule. Voilà, je suis à toi tout de suite. Allons, dépêchons-nous, je vais te parler sérieusement. Si la leçon n'a pas été suffisante, j'en serai quitte pour recommencer l'opération. Voilà tout. Eh bien, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Me voilà, ma louloute en sucre, me voilà. Comment te trouves-tu? Ouais, ça va beaucoup mieux, hein. En effet, la meilleure mine. Je crois bien. Moins pâle. Je viens de me débarbouiller. Ah. Et ce vin que je t'ai donné, était-il bon? Excellent. Ah, tu as tout bu? Jusqu'à la dernière goutte, la bouteille est vide. Vide? Tout ce qu'il y a de plus vide. Il se pourrait. Je ne suis pas curieuse, mais je voudrais bien savoir. Rien n'est plus simple, prends-moi ça et je vais te la chercher. Mais tu vois, tu as les mains libres. Libre comme l'air, et voilà. Qui donc t'a détaché? Personne, c'est moi tout seul. Et par un procédé des plus simples. C'est impossible, tu me trompes. Ah, veux-tu que je te montre comment j'ai fait? Volontiers. Tu vas voir comme c'est facile. Alors, d'abord, tu as commencé par m'attacher cette main-là. Si. Ah non, pas celle-ci, c'est l'autre. Enfin, n'importe, ça y est tout de même. Eh bien. Eh. Ah, il est où celui-là? Ah, merci. Eh bien quoi, le tour est joué. Allons, pas de bêtises enfin, détache-moi. Plus souvent tu y es, reste-y. Eh quoi, brigand, c'était un piège. Comme tu le dis, chacun son tour, personne n'a rien à dire. Ah, gueusard, scélérat, pas grand-chose. Un mot de plus et je cogne. C'est atroce, je veux retourner chez ma mère. Vas-y tout de suite, je paye le tramway. C'en est trop, je vais appeler les voisins. C'est inutile, ils sont tous sortis. Mais si je les rencontre, je leur dirai de monter. Comment, tu vas sortir? Oui, j'ai besoin de prendre l'air. Mais sois tranquille, je serai de retour avant 24 heures. Arrête, tu ne feras pas cela. Adieu, ma poulette adorée. Je vais retrouver Bécaba. Non ! J'ai dit. J'oubliais. Si quelqu'un frappe à la porte, tu ne répondras pas, je garde la clé. Tu vas m'enfermer. Cela rentre dans le traitement. Tu dois t'estimer heureuse que je te fasse grâce du reste. Allons, à demain. Arthur, je t'en prie, ne t'en va pas. Je reconnais mes torts, cela ne m'arrivera plus. Il est trop tard. Grâce, Arthur, grâce. Oh, relevez-vous, je vous pardonne. Mais à une condition. Laquelle? Nous allons brûler le martinet. C'est convenu. Mais avant, tu vas le baiser en signe d'adieu et de réconciliation. Avec plaisir, mon ami. Encore. Avec de la tendresse. À la bonne heure. Qu'on vienne nous dire après cela que nous maltraitons nos femmes. Tu ne te laisses pas faire, ma petite, ça va être plus dur. Hein? Alors, la paix est faite? Oui, mais j'y mets une condition. Laquelle? C'est que tu vas me promettre de ne plus te griser. Je le jure. Répète-le. Je jure de ne plus boire. Merci. Jusqu'à la prochaine fois. Le plus charmant ménage, on ne verra jamais, jamais. Non, jamais. On ne verra jamais, non, jamais. La
moi je serai plus doux qu'un bonhomme de pain d'épices. Plus d'ennuis, de soucis entre nous, plus de coups. Et soyons des époux bien unis et bien doux. Oui, soyons le modèle des époux. Jamais.